Allez, salut à tous ces amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'autre, le seigneur des anneaux, la guerre du Nord. Nous sommes à Foncombe, alors bien sûr, on est reparti aujourd'hui pour une petite session d'une heure, on va essayer de faire. Apparemment, on est vers la fin, hein, d'après un collègue, d'après un de mes collègues, nous sommes à la fin. Il nous reste 2-3 missions, je crois, avant la fin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'aventure, tout simplement. Mais on va changer un peu de gameplay, on va prendre le Ranger. Alors, voyez, nous sommes à Foncombe, j'ai fait un petit arrêt, je suis allé voir le forgeron. J'ai réparé mon armure, je me suis acheté un peu de stuff. Alors, voyez, il a une superbe armure elfique avec pas mal d'attributs. Il a un super frog, des super... des jambières, des bracelets, des gantelets, un beau casque, de très 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 bonnes épées, voyez, deux armes et une main. Alors ce sont des épées élémentaires, je crois. Il y en a qu'une seule, pardon, non, il y en a une qui est de foudre, de feu, pardon. Et l'autre, je sais plus si elle est, élémentaire, mais bref, si elle fait des dégâts élémentaires, mais c'est pas important. Donc nous, on va partir pour la prochaine mission. Il se peut que durant cette session, on change encore de personnage. Pour reprendre le nain, bon, vous voyez, le nain n'a plus sa barbe blanche, son air et tout, comme je l'avais modifié. Mais normalement, quand je le reprendrai, normalement, ce sera ça. J'espère, parce que sinon, si ça garde pas, ça prend pas en compte les modifications après les plusieurs sessions, quand on reprend la sauvegarde. C'est un petit peu c'est un petit peu chiant. Ouais, parce qu'en plus, du coup, juste avant, là, j'ai dû refaire le boss de l'araignée. Là, j'ai dû la refaire. Je sais pas pourquoi, puisque ça avait pas sauvegardé. Ou je sais pas. Enfin, peut-être parce que j'avais pris Eradan. Aucune idée. Et j'ai dû re-sauver Radagast et tout le blabla. Bref, c'est pas grave. On s'en fout. On se casse. Alors, c'est parti pour aller défoncer du dragon. Le repère du Grost. J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Il va y avoir du sport. Nous sommes proches de l'antre du dragon, et nous devons avancer avec plus de prudence. Si Urghost nous surprend en vol, il pourrait nous tuer d'un simple jet de flamme. Il vaut mieux que vous continuiez à pied, tandis que nous vous couvrirons depuis les airs. Ok, pensez-vous qu'Urghost, ouais c'est ça, Urghost, enquêtez, quelles sont ces ruines que j'aperçois, un dragon de feu? Est-il vrai que les dragons soufflent du feu? Non. Les légendes parlent de deux types de dragons. Les grands dragons de feu, dont le souffle est composé de flammes mortelles, et les dragons froids, qui n'ont pas de feu. J'ai peur qu'Urghost ne soit pas un dragon froid. Boah, c'est que 2-3 flammes. Quelles sont ces ruines que j'aperçois? Non, ça on s'en fout, à quoi pouvons-nous nous attendre? Y a-t-il d'autres dangers dans ces montagnes, à part Urghost? Les montagnes grises regorgent d'orques. Mais n'oubliez pas qu'Agrandor a dit qu'il envoyait des hommes pour attendre la réponse du dragon. Nous devons nous préparer à les rencontrer également. D'accord. Eh ben allons-y. Bon, pensez-vous que Urghost nous regarde? Bref, hein. D'accord. C'est pas super important. En tout cas, j'ai un stuff swag de la mort. Appelez-nous si vous... Oui, je vous appellerai. Allez, c'est parti, les montagnes grises. Et regardez-moi ce beau panorama. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Alors. Les dragons soient moins effrayants que ce que racontent les légendes. Ouais, ouvrons l'œil. Toujours, hein. Ah, bah tiens, direct. Au moment où je dis ça, on tombe sur un tas de stuff. J'ai regardé aussi hier, je me baladais sur Steam et je regardais les succès du jeu de. Enfin, de. De War in the North. Et j'aimerais bien avoir tous les succès parce que là, j'en suis déjà à quasiment la moitié. Et il y a des succès pas mal. Donc, récolter un max de fric, avoir des le plus d'Hellstone ou ce genre de choses. Enfin, plein de succès sympas. Et qu'est-ce donc? Yeah! Alors, ouais, comme vous voyez, du coup, j'ai un peu. Tac, ça s'est fait. J'ai un peu amélioré, bien sûr, Eradan. Puisque, bon, vu que à certains moments c'était l'IA qui s'en occupait. Du coup, je lui ai fait ses compétences. Je lui ai mis pas mal de dextérité et un peu de résistance. Faudra que j'augmente aussi la force. Parce que lui, là, à peu près, il est assez complet, on va dire. Il est polyvalent. Et oui, je lui ai mis une compétence grâce à l'arbre de compétence qui lui permet d'avoir des, voilà, des coups critiques comme ceci là. Beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'avec les autres personnages. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ah. Qui ont servi le roi sorcier. D'accord, parce que on dirait des vieux quoi. Il y a un vieux papy. J'ai quand même 8 potions. Oh, j'aurais dû acheter des potions de santé à Foncombe. Arclon de capitaine. Et j'aurais dû vendre tout mon merdier là. Oh, pas mal. Alors là, j'ai un arc swag. Hein.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. En fait, je suis complètement stylé. Mais vous allez voir que là, en plus, dans 2-3 missions, on aura du stuff encore plus pété. On aura pas mal d'Elfstone, des gemmes, hein, je rappelle, pour pouvoir améliorer notre stuff. On aura du stuff pété, comme je dis, hein, très très rare. Sachant que je vais essayer de refaire le jeu pour avoir tous les succès, bien sûr, parce qu'il faudra que j'augmente le niveau de difficulté. Mais j'aurai le même stuff. Attention, alors là. Oh putain, alors lui. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Pourquoi ça pète? Alors attendez, attendez, j'ai oublié. Ah oui, je peux parer, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que... Ah mais il tire des carreaux explosifs, c'est quoi ce bordel? D'accord. Attendez, j'arrive. Oh, mais c'est n'importe quoi. Putain, mais je... Mais c'est n'importe nawak. Paf, allez, 55 XP. En fait, notre cher ami... comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié le nom du nain. Putain, oui, je suis... Non, ah non, pardon, c'est... comment ça s'appelle? J'oublie tous les noms. Andriel qui fait des dégâts de foudre. Oh, attends. Putain, je me fais défoncer. Hop, la popo de soin. J'ai pas de potion de robustesse, ni de potion de... Enfin, ni... J'ai pas de potion, en fait. À part les potions de soin. Hop, toi, t'as perdu une jambe. Dans la sphère de lumière. Oh yeah. Ça, putain, mais c'est mortel. C'est vraiment mortel, les carreaux explosifs là de notre ami. Oh merde. Oh putain, il est passé derrière là. D'accord. Notre Farin. Oh putain, voilà, j'avais du mal avec son. Bon ben voilà, en attendant, moi je me bats. Enfin, que. En attendant que mes potes fassent le travail. Oh, putain, non. Vache, mais ces Vioxx se défendent bien. Hein. Oh yeah, plus de bras. Magnifique, 156 d'XP. Bon, je vous ai dit, là, on va atteindre rapidement les niveaux les niveaux élevés, quoi. C'est-à-dire le plus du niveau 20, quoi. On va atteindre... ce serait bien d'atteindre, ouais, avant la fin, le niveau 25, ouais, comme petit objectif. Ou petit objectif sympa. Ouais, cette épée, regardez-moi cette épée de fou. En fait, cette épée, je l'ai eue grâce vous savez, à l'elfe qu'on a rencontré dans la forêt de Mirkwood à l'épisode précédent, qui devait aller chercher son pote, qui au final est décédé. Et vu qu'on avait battu le boss, il voulait nous faire un cadeau. On avait le choix entre plusieurs éléments de stuff. J'ai pris cette épée qui est complètement pétée. 6 de régénération de santé, 15 de dégâts critiques, 20 de dégâts de feu, 20 de dégâts électriques. Voyez, en fait, cette épée à elle seule, elle fait des dégâts de feu et des dégâts électriques. C'est complètement overcheaté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le maillotin de Dale, la courte épée de Forod Waves, pour mettre... Ah, quoique je peux mettre ça. Ah non, ça c'est n'est pas demain. Pour mettre le maillotin de Dale. Voilà, qui est déjà mieux. Bon, ça me fait un maillet, hein. Ouais, c'est assez étrange, je vous l'accorde, de se battre avec un maillet et une épée élémentaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça qui fait le sel de ce stuff, de cet équipement, voyez-vous. Allez, c'est parti, on avance, on progresse. Bon, alors il va falloir s'attendre à des vieux. Bah tiens, bouclier de capitaine. Toujours plein de trucs à vendre. Par contre, je mets 100 ans à régène, hein. Je suis en train de m'en rendre compte là. Votre compte, pardon. Allez, on va utiliser l'arc. Ah oui, c'est pas un arc de... Ah, il fait mal. Putain, il fait très mal cet arc. Bon, d'aussi loin... J'ai du mal à viser la tête, mais ça part tout seul. Regardez-moi ça, 800 de dégâts là. Oh bah voilà, ça marche bien. Qu'est-ce qui est fou lui? Ah bah tiens, un gros. Attends, il est pas mort lui. Wouah, 1400 de dégâts. Et je fais des... Ok, le mec est tombé complètement dans le ravin. Et je fais vraiment des... Oh oui, faut pas que j'oublie d'utiliser le contre. Putain, il a pris cher lui, il a disparu. Ah d'accord, il avait disparu dans le sol. Alors attention, on va essayer d'utiliser les aigles, hein, parce que je le fais rarement. Alors toi, voilà déjà. Non, c'est pas ça. Ok, en plus j'ai réussi à éviter l'autre. Alors évidemment, les mages en priorité. Putain, ça fait du dégât, ça fait du dégât ça. C'est... Wouah, le mec. Et j'ai récupéré des épaulières. Swag. Faut pas que j'oublie d'utiliser. C'était pas sur le... Oh, si, au pire, ça va, c'est pas grave. La vache, il fait du dégât. Hein.
font du dégât, les gros. Ah oui, la sphère de lumière, la sphère de lumière. Merci, Andriel. On peut le faire. Non, c'était une mauvaise idée. On va prendre la potion. Ah, yeah. Putain, découpé en deux. Ah, Farah est tombé. Je l'ai défoncé. Allez, on va aider notre ami le nain. On va le ressusciter. Pardon. On va le raise, voilà, c'est ça. Dans 700 de dégâts. Ouh, le headshot. Ah, il a looté une épée, tiens, super. Épée de Dale. Ah, bah voilà. Hein. Épée de Dale, ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Ah, attendez. Petit tas de stuff. Ouh, anneau gravé en or. Oui, alors. Les anneaux, j'en ai pas encore. Il me faut 25 de volonté plus 27 d'armure. Anneau gravé en or, ça peut être cool. Ça peut être vraiment sympa dans le bouclier. Est-ce que l'épée de Dale s'avérerait plus intéressante? Et apparemment, ouais. Carrément, elle est magnifique cette épée. Hein. Avec un bout pas très très pointu, mais là, là, ça veut. Ouais, là, franchement, j'ai le swag. Allez, toi, tu meurs. Voilà. Ah bah il est décédé, j'aurais pas dû utiliser tant de flèches. Et il y a un coffre. Ouh yeah, canon d'avant. Saphir, j'ai pas vu ce que c'était. Canon d'avant-bras renforcé en acier de capitaine. C'est un peu moisi. Ouais. Sont courageux, j'affirme. Je confirme. Putain, décidément je dis n'importe quoi. Grève de Karndoum. Putain, c'est n'importe quoi le stuff qu'on loot. Et apparemment, j'ai même looté des épaulières. Non, qui sont pas géniales. Des bottes. Je parie qu'il me faut de la résistance. Ah, super ça, je pourrais me les faire après. En tout cas, vraiment, le stuff que je porte actuellement brille de mille feux. C'est un stuff elf. Le casque, à la limite, c'est peut-être le seul point négatif. Hein, je veux dire, dans le sens où le design me, ouais, ne me plaît pas trop. Regardez-moi ce. Ce mastodonte. Putain, il fait très mal. Putain, il fait du dégât. Hein. Allez, le coup critique. Oh, oh ben, j'ai désintégré sur place, le pauvre. Vite, on prend les objets. Et lui, on le fait à l'arc. Hein. On a combien, 40 flèches? Ok. Désintégré sur place. Ça, c'est marrant, d'ailleurs. Oh! Oh yeah, le contre, ça c'est un beau contre. Ça c'est un très beau contre. Combiné au carreau explosif de l'autre enculé là. Non, j'ai conne de farin, du nain. C'est mortel, il faut le dire, c'est mortel. Les ennemis sont projetés à des années-lumière. Ouh, toi t'as pas aimé. À coup de 500 de dégâts dans la gueule. Oui, c'est vrai que il faudrait que. Ouais, la sphère de lumière plus 18, plus 18. Normalement, je t'ai over amélioré, Andriel, dans l'épisode précédent. J'avais augmenté à mort ses soins. Regardez-moi ça, comment je régène. Du coup, ils peuvent pas rentrer ou quoi là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Hop, j'en profite pour le terminer. On va faire un petit coup d'aigle peut-être. Non, alors lui, on va le finir. Il faudrait. Voilà. Toi, tu vas partir pour l'espace intemporel de je sais pas où. Et toi, je te finis. Voilà, 3000 de dégâts et 147 d'XP. Pas mal. Ah, ah, les secrets. Ah oui, d'ailleurs aussi, il y a des succès comme ça, j'ai vu sur Steam, où il faut découvrir un total de 25 secrets en tout dans le jeu, je crois. Je sais plus si c'est par si c'est instancé, je veux dire par niveau. Non, non, je crois pas. Et un super coffre avec 1000 pièces. Vous vous rendez compte? 1000 pièces, un arc de capitaine et une cruche en or. De stuff que je pourrais revendre avec plein de grenades, des potions de santé, c'est toujours intéressant. Attention ici, ah génial, des flèches et un arc. Putain, attendez, qu'est-ce que c'est que cet arc complètement overpété? Mon dieu, arc des terres sauvages. Attendez, on va l'équiper. Waouh, putain, et eh ben c'est juste. C'est juste grandiose. Je vous dis, là, je prends mon pied à découvrir tous ces secrets, tout ce stuff. C'est vraiment... j'adore. Vas-y, descends, tu peux le faire. Donc, c'est parti, on progresse. On continue. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as changé de stuff? Waouh, t'as trouvé un putain de casque. T'as trouvé le casque qui allait avec le torse. J'ai l'impression. En tout cas, il te sied merveille. Alors, on va devoir choper... on va devoir monter par là. Putain, j'ai du mal, hein. Avec cette caméra, lui est complètement décédé.
Ok, donc ça veut dire qu'on vient de passer une phase. Ah, là c'est bizarre, il y a des petits problèmes, j'ai l'impression, avec l'image. C'est assez chelou. Hop, toujours de l'argent, on pète tout. C'est toujours ça de gagner. En tout cas, ces vieux là, ils ont l'air, ils sont sympas là, les mecs qu'on est en train de défoncer depuis tout à l'heure. Ah non, ça c'est moins drôle. Y a pas quelque chose ici? Pas un petit tas de stuff, non? Même pas un petit secret? Ah d'accord, les Urukai, ouais d'accord. Ils sont nombreux. Ok, ils ont ramené toute la famille. Attendez, d'abord je me fais ça, on sait jamais. Bam! Ah le salaud! C'est vrai que c'était téléguidé cette attaque. Voilà, va mourir. Putain, c'est abusé, c'est complètement pété en fait cette attaque avec le, avec les aigles, parce que bon, voilà, en gros ça vous bute un mec. Oh yeah. Zut, je l'avais pas vu, heureusement que je suis dans la sphère de lumière. Toi t'as pas tout compris, j'ai l'impression. Oh yeah. Et là je maîtrise le contre, hein. En superbe. Oh, dans le dos comme ça, 150 d'XP, c'est tout à fait normal. Toi tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Paf, 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 paf. Et on le finit gentiment pour passer au niveau 19. Et ben très bientôt. Enfin, enfin. Bon, toujours des archers. Autant affaiblir le gros, hein. Ici, vers moi, si vous avez besoin d'aide. Ah oui, oui, ah, j'avais pas vu ma vie, oui, effectivement. Plus 18. Alors est-ce qu'on va aider notre pote? Oh, toi. Putain, c'est vrai que cette charge là, c'est assez mortel. C'est. Ah, c'est mortel, hein. Il faut le finir. Non, pousse-toi. Pousse-toi. Heureusement qu'il reste au sol assez longtemps. On va encore bénéficier un petit peu de la régénération offerte. Paf. Par la sphère de lumière. Voilà, je suis full life. On va se terminer ce. Putain, eh oh. Voilà. Il y avait qu'à demander. Pouf. Et ce dernier. Oh yeah. 312 d'XP. Je monte level 19. C'est beau, c'est magnifique. Avec un hôtel en plus. Mais que demande le peuple? Du coup c'est ce que je vais faire. On va paf utiliser. Et on va vendre. Alors qu'est-ce que nous allons vendre? On va tout vendre. On va vendre le merdier entier. On va vendre tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça tu vends. Ça je vais le garder puisque ça tu balances. Et ça tu balances. Ça tu balances. Ça tu balances. Ça tu balances. Du coup je vends tout, hein. Ça tu balances. Ça tu balances. Ça tu balances. Ça pourrait être intéressant. Ouais, épée à deux mains, je vais pas. Je vais utiliser uniquement des doubles lames, je pense, avec Aradan. Le bouclier, on. Bah dans ce. Ouais, on peut le garder quand même. Parce que je peux peut-être essayer de me battre bouclier épée. On va tester ça. Vendre. Les frocs. On vend. On vend. On vend. Ah, maître du savoir. J'aurais dû lui filer. Tiens, je suis con. Ça, on va les garder quand même. Ça, on vend. 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 Ah, mais non, je suis con. Attends. Ça, on va garder. On va garder ça. Faut pas que j'oublie que je peux filer du stuff, bien sûr. À mes compatriotes, à mes camarades. Et c'est très utile, hein. Parce qu'après il les porte. Forcément c'est un peu la Skyrim pour ceux qui voient, hein. Ça on balance. Ça ne nous sert à rien. Qu'est-ce que c'est? Peut-être utiliser, on va le garder. Ça on vend. Ça on balance. On balance, ça fait de la. Ça fait de la thune. Quoique les améthystes lisses, je peux peut-être les garder pour faire des elfstones comme ça. Elfstones de sympathie, prix en magasin réduit de 10%, ça peut être pas mal. 15 dégâts de feu. Ouah, ça je peux le mettre. Pour améliorer l'effet de mon épée, ça peut être cool. Ouah, ça vaut trop cher, 20. Je peux peut-être atteindre les 25 000. Ouais, succès, butin de dragon, génial. Et un succès déverrouillé. On va faire le chasseur de succès sur ce jeu. Ouais, les améthystes, on va les garder parce qu'on peut peut-être faire des. Enfin, c'est peut-être craftable. Alors, est-ce qu'il y a du stuff intéressant là, non? Non, à part ce que j'ai vendu, bien sûr. Ouais, il y a des haches.
Il n'y a pas d'anneau par contre, ça c'est... Attendez, on va regarder dans le... Ah oui, bah j'ai passé un niveau, on va passer le niveau. Je vais mettre un peu de force. Paf. Et on va mettre encore un point dextérité. J'ai 517 d'armure quand même, hein. Ça, c'est nickel. Alors, voyez, donc, ce que j'ai pris, c'est offrir un bonus d'armure basé sur votre dextérité actuelle. Donc ça, ça me fait un putain de bonus de résistance. Ça, c'est ce que j'ai mis avant. Chaque coup fatal vous fait gagner un bonus de force temporaire. Ça, c'est complètement OP. Appuyez sur RT plus X pour attaquer tous les ennemis proches avec vos deux armes. Nécessite le... Oh, ça, c'est cool, ça. On va tester ça. Allez, confirmé. Du coup, ça me fait... Ça me fait un pouvoir en plus. Ouais. Faut pas que j'oublie que j'ai mon attaque sournoise, hein. Comment on fait pour... Ouais, pour faire apparaître ça, voilà. Non, je peux pas crafter avec ça. Est-ce que je peux la mettre quelque part? Ah, il n'y a pas d'emplacement, c'est dommage. C'est dommage. Ah oui, j'avais dit que je pourrais essayer de me... Impossible d'accéder à cet objet avec l'autre arme, non là. Attends. Impossible d'accéder à cet objet avec l'autre main. Attends, comment ça? Comment ça? Ah oui, d'accord. D'accord, ok, fallait que ce soit dans la main droite. On va tester comme ça. Il est plutôt pas mal ce bouclier. Ouais, si je pars. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on continue. Let's go. Pour défier le dragon. Oh, il y avait un mec là. Ah non, pardon, c'est le nain qui s'est croûté. Ouah. Ah, ta, 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 ta. Ah non, c'est vrai que j'ai plus de... J'ai plus de... Oui, c'est plus pareil. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord. Ah oui, du coup, je peux pas utiliser l'ac... On va faire une attaque sournoise. On va faire une attaque sournoise. Oh, ça lui a fait du dégât. Ah non, merde. On peut pas parer son attaque puissante. Putain, il a pris cher, hein. Il prend des dégâts élémentaires de taré. Voilà, bah, je l'ai décapité, hein. 85 d'XP, c'est quand même over. Chut. Ouh, il a pas aimé ça. Voyez, on voit bien sûr les dégâts élémentaires. Alors, les dégâts de feu sont marqués en rouge et les dégâts de foudre sont marqués en jaune normalement. 75 d'XP. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on entre encore dans une zone caverneuse. Je sais pas si ça se dit. Ah, j'adore les. Putain, mais c'est con. Wouh. Chou. Yeah. J'adore comment je me bats, c'est tellement... Il comprend rien, le pauvre. Voilà, décapitation. La petite popo de force qui fait du bien. Oui, merde, bah du coup j'ai loupé. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fout. Lui, il s'est perdu, j'ai l'impression. Ok, bah en plus, il a gerté. Cette charge, faut pas que j'oublie quand ils font leurs espèces de cris, là. Oh. Yeah. Attendez, y a un mec qui me vise de là-bas, là, c'est quoi ce délire? Wouah, le type. Putain, il vise bien. Attends, je crois que t'as pas compris. Yeah. Ouh, le 900 dans... Putain, il a rien compris. Deux headshots dans la face de cet Uruk-hai. Il a tout de suite compris qui c'était le patron. Allez, c'est parti, on progresse. Je regarde s'il y a du stuff. Ah, yeah. Ah, bah tiens. Petite caverne, là. Avec des caisses où il y avait absolument rien. Putain, il a pas aimé. Chouing. Oh, oh. 245 d'XP. Allez. Tac. Oui, tu veux bien péter cette caisse, s'il te plaît, Radad? Merci. Ah, bien sûr, le coffre. Ça, c'est génial parce qu'on vous récompense toujours dans ce jeu après avoir fait un combat. Donc, arc du capitaine, grande plume. J'ai gagné une Elfstone. Non, c'est un arc moins bon. Voyons voir. Oula, j'arrive pas à le choper.
Elfstone de résistance, plus 5 de résistance. Oh, c'est pas génial, génial, mais bon. C'est pas non plus pourri. Attendez. Tac. Allez, on continue. Donc là, il y a un espèce de mage de Médeux qui n'a rien compris et qui se prend des coups de tatane. Toi, t'as rien compris. T'es coup. Il m'a esquivé, le salaud. Et je me fais exploser là. Regardez-moi cette caméra. Cette épicness de l'amour. Putain, je me sens mal à la popo. Ah oui, 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 d'accord, mais c'est pas. Putain, mais c'est n'importe quoi ça. Wouah. Attendez, on va tester notre nouvelle attaque. Pourquoi je peux pas. Putain, je me fais défoncer. Popo. Popo, 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 prends la popo. Oh là là, c'est du massacre. C'est du massacre. Allez, vite. Allez. Oh, je l'ai pas eu, je suis deg. Allez, rampe vers moi. Putain, je me fais éclater. Allez, vas-y, on va le sauver. Oh, je suis mort. Ok. C'est un gros fail, les amis. Bon. La zone bien pétée, je sens ça va être tendu, là. Ça va être tendu, hein. Ça va être très... Oh non, putain, on doit se tout retaper du début. Fuck. Bon, alors toi, déjà, tu restes à terre. Putain, il meurt. Bon, finalement, je suis pas trop fan du gameplay épée-bouclier. Je préfère le gameplay à deux armes. Voilà. C'est mieux. Voilà, et puis en plus, je peux faire ma super attaque de la mort. Oh, j'ai chié. Putain, là, j'ai fait n'importe quoi. En tout cas, 255 d'XP. Voilà. Putain. Je peux rien faire face à cette attaque puissante. Ok, le mec est tombé comme une merde. Bon, alors toi, c'est pas compliqué. Allez. Le coup critique. Putain, le coup critique, Jean-Guy, là. Eh, leur coup puissant, je peux. Putain, mais il vient d'où, lui? Putain, en fait, ça devient complètement. J'ai l'impression que le niveau vient. Putain, mais oh! Je me fais prendre en. Non, j'allais dire un truc dégueulasse. En. Sandwich, voilà, c'est ça. Putain, mais meurs! Allez, décède! Putain, mais. Il veut plus faire ses coups critiques, je comprends. Putain, mais alors lui. Voilà, allez, meurs. Putain, mais. Décède! Oh, voilà, décède sur place. Pareil, toi. Pourquoi je peux plus faire mes coups critiques? Regardez ça, je peux plus faire mes coups critiques. Attendez, il y a un problème. Voilà. On va les remettre exactement comme elles étaient tout à l'heure. On sait pas, ça fait peut-être. Ah, tiens, il y avait d'autres caisses ici. On va prendre une popo de puissance. Ah, là, il nous a pas vu. Oh, il a rien compris là. Non, merde, mais qu'est-ce que tu fais? Tape dans le bon sens, Jackie. Allez. J'ai l'impression qu'il y a un petit. Regardez. J'arrive plus à faire mes coups critiques, étonnamment. C'est un gros mystère. Me dis pas qu'ils ont. Ah, mais ils ont reset les. Pourquoi j'arrive plus à faire les coups critiques? C'est étrange ça. Je vais essayer de me mettre à l'arc. Pour la prochaine phase. On va voir. Bah si, ils ont reset hein. Ah, c'est énorme, ça y est, reset. Ça veut dire qu'on gagne. En gros, on gagne plein de trucs. Élixir de coup fatal. C'est bon ça, attendez, je vais le prendre. Élixir de coup fatal. J'en ai 3. Yeah. J'espère que ça dure longtemps. Et apparemment, oui, ça a l'air de durer très longtemps. Allez hop. Bon. Ok, c'est un Uruk. Putain. Allez. Putain, mais j'arrive plus à fermer. Putain, il est décédé sur place.
J'arrive plus à faire mes... mes finish, ouais. C'est chaud. Wouah. Ça l'a stoppé. Mais en fait, on les défonce. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en plus, je peux plus faire aucune attaque. C'est... Oh, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. C'est chaud. En tout cas, le vieux, tu vas comprendre. Ils sont bien mortels, hein, les gros. Putain, ils prennent rien. Ah bah voici, il décède. Le mec, au moment où je dis ça, il décède. Voilà. Et du coup, je me fais... Je me fais pas d'XP, quoi. Oh yeah. Ouh, je lui ai tranché la gorge. Bon, alors j'aimerais savoir pourquoi je ne peux plus faire aucune attaque. C'est bugué ou quoi? Complètement bugué ce truc. Attends. En tout cas, il y a plein de cavernes. Bon, alors toi déjà, tu vas mourir. Voilà. Tu es décédé sur le champ. On va parcourir, on va essayer d'explorer un peu tout le truc. Putain, mais c'est bizarre là, il veut plus me... A mon avis, ici il y avait des pépites. Ici c'est pour le nain. On va tester l'autre caverne, l'autre cavité. Et donc un coffre et... Et un tas de stuff. Un arc en mithril. Ouais. Alors, voyons voir ça. Non, il est moins bien. Ah, par contre, attendez. On a des jambières. Flamme étincelante. Ah ouais, j'aime. À mon avis, ça doit être un stuff rare ou épique. Faudrait qu'on essaye aussi de... Enfin, je vais essayer de relever le défi de faire à peu près tous les sets rares et tout du jeu. Enfin, regardez ça, je peux plus faire mes coups... Ouh, il a pas compris lui. J'ai pas assez de puissance. Heureusement, j'ai ma... Mais, du coup, ma popo de... Putain, je me fais défoncer. Ma popo de coup fatal ne... Allez, finis-le. Putain, j'arrive pas à les terminer. Je sais pas du tout ce qui se passe. C'est bugué. C'est bugué. Ouais, y a un bug. Il y a un gros bug. Et en plus, j'arrive même plus à toucher. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus toucher. Ouh, c'est bugué ça. C'est complètement bugué si vous voulez tout savoir. Allez. Allez, meurs. Bon alors ok, lui il est décédé. Bon, tu peux pas mettre une sphère de lumière. Ah bah voilà, il suffit de demander. Allez à l'arc. On le finit, on lui fait du 600. Voilà, le mec, allez, meurt. Ouh, 30 d'XP. Eh, hey, le headshot. Bon, je sais que c'était pas très, très fair play. Hein, mais bon. Putain, il y a des coffres. Putain, les mecs, ils meurent sur des positions assez étranges. Attendez, j'ai trop de stuff, là. Ça va pas. 25 de résistance, ouais. Des gantelets, ouais. Sauf que je n'ai pas assez de résistance. On va rester un petit peu dans la sphère de lumière, hein, tant qu'elle reste... Autant récupérer toute notre life. Putain, mais ça m'énerve là, ce problème là de... Eh bien, oh, qu'est-ce qui t'arrive le nain? Déstresse. Ce problème là de coup fatal. Eh, hey, tu ne me vois plus. Oh, je suis deg. J'ai chié mon attaque. Oh, j'aurais dû attendre qu'il s'arrête. Ouh. Alors, c'est assez chaud de gérer la caméra. Putain, le mec, en fait, est en train de carboniser sur place. J'étais en train de me rendre compte. Mais oui, en fait, c'est ça. Je me demandais aussi pourquoi ils avaient un tas de cendres sur la gueule, en fait. C'est parce que, bah oui, c'est parce qu'ils sont en train de... Ils sont en train de cramer. Hop. Rien dans les caisses. Étonnant. Mais étrange. Ouah, 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 ouah. C'est pas mal.
Ok, alors le gros, tu bouges plus. Attends, j'évite des projectiles. Putain, c'est n'importe quoi comment ils visent. Ici, mes amis, rassemblez-vous. Allez, mais pourquoi je... C'est complètement bugué, c'est dommage. Putain, je prends des trucs. Faire ça à l'arc. Oh, dans le genou. Oh, la flèche dans le genou. Putain, ils aiment pas ça, hein. Allez, hop, on vise les gros. Bon, en fait, là, je sais même pas qui je vise. Tellement ils sont collés, les types. Faut que je fasse attention à mes munitions aussi, toujours. Putain. Ah, ouh. Cette fois, j'ai réussi à éviter sa charge. Allez, finis-le. Bon, voilà, il est fini. Le mec vient de se toller. Ouh, il a pas aimé ça dans le dos. Ah ouais, la sphère de lumière. Ah, il a plus de bouclier. C'est intéressant, ça. Vraiment intéressant. Autant lui faire toutes mes attaques. Vas-y, je pars, Coco, je pars. Ah, oh oui, joli, joli, joli. Magnifique. Franchement, beau travail d'équipe, hein. Ça a beau être une IA. Ah. Qu'y a-t-il donc ici? Oh. Putain, ça c'était le coup bugué, tu sais. Attention, alors là, il y a un secret. Il semblerait qu'un autre ranger... Ok, c'est bugué. J'ai l'impression que c'est complètement bugué, si vous voulez tout savoir. Attendez. Attendez, c'est bugué. Eh, regardez, j'appuie sur A et il fait rien. Donc je peux pas récupérer le stuff. Je suis dégoûté. J'ai l'impression que cette zone est... Mon jeu bug là. D'un coup, j'ignore. J'ignore pourquoi. Bon, pendant la prochaine session, je pense que je... Enfin, je vais redémarrer le jeu parce que là... Ou alors c'est parce qu'il y a encore un ennemi. Ah, mais c'est le vieux là-bas. Putain, fallait le dire. Allez, meurs. Bon, voilà, allez, hop, décède. Putain, comment il tombe, le mec? Non, c'est bugué. C'est bugué, les gars. C'est bugué. Bon. Bah, tant pis, hein. Du stuff en moins. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, là. On va réessayer une dernière fois. Avec les autres teubés là qui tombent comme des merdes, non, ils veulent pas. Il semblerait qu'un autre ranger ait dissimulé des provisions ici. Alors écoutez, gros mystère là. C'est bugué. C'est dommage, mais bon. Du coup, ils sont partis où les autres? Je les ai perdus. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, que vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, tant pis, hein. C'est dommage. Mais oui, à mon avis, il y a vraiment un gros problème là. Alors, c'est peut-être le niveau qui est complètement buggé. Mais. Enfin, ce serait chiant quoi. D'ailleurs, ils sont où les types? Ah, ils sont là. Bon, j'ai l'impression qu'ils se sont téléportés. Bon, un secret en moins. Alors, un gros en perspective, des archers. Vas-y, ça court. Voilà, déjà. Bon, ok, un archer en moins. Oh, la parade, il a pas aimé. Non, non. Oh putain, heureusement qu'il a été pris dans le feu. Il me faut plus. Enfin, hé, pourquoi son bouclier pète pas? Mais c'est chiant. Vous voyez, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. Je peux pas les terminer, les mecs. Bon, alors toi. Ouais, ok, il est mort. Il est mort, je m'acharne dessus. Bon, ici, il y a des pépites pour le nain. Putain, c'est complètement buggé, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On peut pas passer par ici. On va continuer à monter. Bon, là il y a l'air d'avoir du gros.
On bute l'archer toujours, parce que c'est le mec le plus casse-couille. Voilà. Une fois qu'il est décédé... Putain mais, hé, laisse-moi parler. Putain, je me fais défoncer. Bon les potes là, si vous pouviez venir. Putain, j'ai même pas... Putain, je me fais... Farin, défense. Mais non, mais... Venez m'aider, bande de... Meurs. Putain, je peux pas... Ah, ça, c'est vraiment... Putain, regardez, je peux pas... Alors après, ça se trouve, je fais peut-être quelque chose... Ça se trouve, c'est pas un bug. Hein. Ça se trouve, c'est de ma faute, mais bon... Évidemment, le mec meurt au moment où je fais mon attaque. Tu ne me vois plus. Ah voilà. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Décapitation. Mais en fait, je me fais voler l'XP, j'ai l'impression. Je me fais voler l'XP par l'elfe. Rien ne va plus. On va récupérer dans la sphère de lumière. C'est qui nous vit? C'est un mec là-bas, non? Non, il est mort. Ok, il n'y a plus personne. On récupère toute notre vie. Voilà. Bon, il en reste un peu, je suis d'accord. J'ai pas tout récupéré. Mais franchement, là, ça m'énerve, là, les... Bug ou faute de ma part? Très sympa en tout cas les montagnes grises. Donc l'archer. Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me suis fait défoncer. Il y a un type. Non mais hey, eux c'est les tireurs. Ouh. Oh ça c'était la. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. L'aisance. L'aisance. Comment je me ris de vos. Putain lui il est mort. Tu veux pas décéder toi? Voilà. Y'a qu'à demander. Y'a qu'à demander. Alors ici ça sent le gros secret. À moins que... Non on peut pas passer par là. C'est dommage. Ici y'a la mine. Par contre ici ça sent le gros secret. Le secret. Ah non. Si. Ah bah voyez déjà un hôtel. Ouais. Putain, pourquoi ça ne marche? Non. Ouh, pas mal. Franchement, je ne comprends pas. Ça c'est arme à une main. Ah ouais, je vais la changer. Attendez. On va faire le changement. Et on va vendre l'autre. On va vendre celle-là. Puis on va vendre ça. Hein. Allez hop, je m'en fous. Et... Oh, j'ai vendu une potion, quel con. Ça, on va le vendre. Voilà. Ah non, attendez. Ça aussi, je m'en fous. Bon. Ah, il y avait le coffre. Alors, pas mal de casques, hein. Ok, deux fois le même. Cherche l'erreur. Mais pourquoi je ne peux pas inspecter, putain? Ah, une cachette dissimulée de Dunedin. Je suis dégoûté. Ça se trouve, je perds tous les secrets là. C'est complètement buggé. Ce qui explique aussi pourquoi je ne peux pas faire des. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le truc, c'est que j'ai pas envie de tout me retaper. Au pire, hein. Tant pis. Nouvel objectif, venir à bout du sorcier du Carme. De... Ah, le boss. Oh, putain. Pas mal. Pas mal ton stuff. J'apprécie. Alors. À nous deux. Putain, le mec il prend déjà hyper cher. Il nous balance des bouboules. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, génial. Ça c'est cool ça. Il s'est barré où?
putain l'enfoiré. Pousse-toi, putain le nain. Il est où? Putain mais il fait des dégâts. Ouh, il a pas aimé ça. Ah là, ça c'est une phase difficile effectivement. En fait j'ai plus de vie. Putain mais qu'est-ce qui branle. Allez. Oh là là. Putain mais il est pété ce gardien. Putain. Allez. La vache, c'est chaud. Allez, bouge ton gros cul. J'ai réussi. C'était tendu cette phase. Putain mais allez, mais putain je peux. C'est vraiment chiant ça, je sais pas pourquoi mais. Allez. Il est où? Il est là-bas l'autre? Putain. Bon lui. Il est où? Il est où? Oh j'ai loupé. Oh j'ai. Je l'ai eu. Il est résistant le bougre hein. Allez vas-y meurs. Prendre objet. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il fait quoi le mec? Allez on prend la popo de soin. Allez on va les aider. On les aide. Il est vraiment très résistant. Ouh. Très résistant le bout. Bon là c'est un peu bugué. Putain qu'est-ce que... Hein? Ah oui. D'accord. Je comprends rien ce boss. Puis en plus il y a ces acolytes là qui viennent l'aider. Meurs. Homme du Harad. Non c'est pas un homme du Harad. C'est des... Putain mais je me fais défoncer. C'est qui l'autre? Oh putain il y a un vieux qui s'est ramené. Putain alors lui. Skip. Putain je me... La vache. Putain c'est tendu hein. Surtout faut que je fasse attention à mes armes hein. Putain il y a le boss. Ok le mec est décédé. Oh putain il fait des... Il fait des esquives le... Putain mais c'est quoi ce boss? Ce boss. Allez mais aide-moi putain mais qu'est-ce que tu fous? Ah merci. Merci beaucoup. Super. Retournons à l'action. Vous gérez les gars. Putain mais et ce... Mais tu vas... Voilà c'est pas possible ça. Mais je me fais défoncer. Je me fais défoncer. Il est pété ce boss, tu peux même pas le frapper quoi. Oh l'autre elle se prend des bifs. Merci mon ami. Allez. Je me suis redevable. Et l'autre il est là, on sait pas ce qu'il fout. J'ai l'impression que l'instant c'est con. Et merde. Et complètement buggé disais-je. Ah est-ce que je peux utiliser l'aigle? Ah ouais pas mal. Le nain est à terre. Vite. On s'en fout du nain. L'important c'est le boss. Putain mais il y a toute la famille. Non attends qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui attendez je vais aider le nain. Putain heureusement hein. Oh putain le boss. Le boss est décédé. Ouh j'ai plus de vie. Je récupère le stuff. Putain toi tu... Cette utilisation intensive de popo. Mon dieu. Mon dieu on va essayer de... Bon, donc déjà, alors, je reprends mon souffle. Allez, décède. S'il te plaît, décède. Voilà. Donc le gros, déjà, c'est fini. Toi, à ton tour. Putain, on a deux à taper sur lui, là. Et je peux pas finir, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc...
ça m'énerve. Ok. Phew. Allez, on traverse. Putain, je me fais éclater. On va partir juste à droite. On va tout explorer. Putain, c'est vraiment con que les secrets, j'ai pas pu les prendre sérieusement. Ah, protéger Paul. Flamme étincelante. Nécessite 26 de... Bon, on va maxer la résistance au prochain level. Hein. Ouais. D'autant plus qu'on arrive bientôt au niveau 20. Wouah, c'est n'importe quoi. On va essayer de... Ouais, non, on va garder phare. Hein. Alors, peut-être que ça va débugger le truc. Mais du coup, ça m'énerve, j'ai perdu... 2 secrets, là. J'aurais pu avoir 2 secrets. Ben non. Au final, non, je me suis fait couiller. C'est dommage. Ah, le dragon. Pas mal, le dragon. Vous n'êtes ni un homme de Gardoum, ni un Béorning. Nope. Peut-être souhaitez-vous me dire pourquoi vous êtes ici. Nous le faisons passer. On va nous faire ça. Nous ne voulions pas vous déranger, ô être puissant. Nous sommes de simples voyageurs qui passent dans ces montagnes. Sans blague. Me prenez-vous pour un idiot? Non, pas du tout. Ah, là, le dragon, voilà, direct le dragon, c'est le dragon swag. Nous pourchassons Agandor. Nous pourchassons un serviteur du Seigneur des Ténèbres, un homme nommé Agandor. Vous le servez alors. Nous pourrions conclure un marché. Ah, quel type de marché? Un marché. Quelle sorte de marché? Agandor souhaite que je me joigne à lui dans sa conquête du Nord. En récompense, il m'offre le royaume de Nordimbad et toutes les richesses. Mais t'es un dragon, tu peux rien faire. Oh. Nous le savons. Vous ne nous apprenez rien. Nous savons tout d'Agandor et de son offre. Pourquoi croyez-vous que nous soyons là? Ainsi, malgré votre effronterie et votre bravade, je constate que vous possédez un certain nombre de ressources. J'ignore comment vous avez entendu parler de l'offre d'Agandor. Mais ce n'est pas important. Vous êtes si bien informé. Vous devriez savoir également que je ne porte pas d'intérêt à Nordimbad. Que signifie ce pic infesté de nains à mes yeux? Excellente question, hein, ça c'est... Non. Mes pensées s'arrêtent sur une bien meilleure récompense. Je veux l'ancienne forteresse du roi sorcier en personne. Karn-Doom. Bah alors, emparez-vous-en! Qu'est-ce qui vous empêche de le prendre? Agandor. Il a pris le contrôle de Karn-Doom. C'est là qu'il planifie sa conquête du Nord. Et bah alors, attaquez Agandor! Si vous voulez Karn-Doom, pourquoi ne pas le prendre à Agandor? Ce faisant, vous gagneriez la reconnaissance de tous les peuples libres. Soyez-en sûr, vos remerciements ne m'intéressent en rien. Oui, je veux Karn-Doom pour moi seul, mais je serais fou d'attaquer un serviteur de Sauron. Aussi puissant que je puisse être, je ne veux pas le Seigneur des Ténèbres comme ennemi. Vous, d'un autre côté, êtes déjà son ennemi. C'est pas faux. Si vous voulez que je ne prenne pas part à ce combat, détruisez Agandor et offrez-moi Karn-Doom. Ah non, est-ce que... Non, on a envie... Est-ce qu'on défonce le dragon? Putain, en fait, j'ai pris une voie de... En fait, dont je ne pensais pas qu'elle était de cette sorte. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On marché conclu ou alors on défonce le dragon? On défonce le dragon. Nous serions idiots de croire les... Que craignez-vous? Une trahison causant votre mort?
Il serait plus simple pour moi de vous la donner maintenant. Acceptez mon offre et vous pourrez affronter Agandor. Décidez-vous, ce débat me fatigue. Allez, marché conclu. Très bien, Dragon. Puisqu'Agandor... Ouais, je sais. Des deux mots, nous acceptons votre offre. Restez à l'écart de cette guerre et Karndoom sera à vous. Une sage décision. Veillez bien à tenir votre... De toute façon, je pense pas qu'au final on aurait défoncé le dragon. Si vous êtes vraiment inquiet à propos du sort de Nordinbad, alors retournez-y. Agandor s'apprête à l'attaquer en ce moment même. D'accord. Ils ont besoin de notre aide. Allons-y. Oh oui. Je vous en prie. Faites vite. Oh, on se moque pas, hein. Bon. Yeah, succès dans le terrier du dragon. Oh, comment ils courent, putain. Ils ont l'air... Ah, il y a les piafs. Coucou. Je me demande bien ce qu'il s'est passé dans cette grotte. Mais si nos amis sont en danger, nous n'avons pas le temps de nous poser des questions. Je vais appeler Armenel et Barantor et nous partirons aussitôt. D'accord. Bah, écoutez... Nordinbad. Ok, super. On va faire une halte à Foncombe. Voilà. Pour s'arrêter, puisque c'est la fin de cette session d'une heure sur l'autre. Surtout parce que le jeu bug, donc je vais arrêter là. Donc en tout cas les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. Allez, salut à tous et portez-vous bien.